Wesh les BG, ça va ou quoi les potos? Vous savez ce que je suis en train de faire là? Je me dirige vers le carrefour. Et pourquoi je me dirige vers le carrefour? Eh bien tout simplement pour précommander la PlayStation 5. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. On verra bien s'il y a de la file ou quoi. Sinon je vous tiens au courant. Mais attendez, regardez. Je vais la payer cash direct, tu vois. Là je peux faire genre je suis riche, tu vois. Attends. Laisse donc faire ça. Regarde ça. Oh, you more. I love you more. Oh yeah, oh yeah. MDF. Bon, les potos, je vous tiens au courant dès que je l'ai acheté. Je suis trop excité. Attends, j'ai pas perdu un billet là parce qu'on sait jamais. Là, je suis trop excité. Putain, la PlayStation 5. Et si vous avez pas vu. Si vous n'avez pas vu des vidéos dessus, j'ai vécu l'événement hier soir en live, donc il y a la rediffusion, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas vu, je prends une dinguerie. Et il y a 18 jeux gratuits et tout sur la PlayStation Plus, la PlayStation 5. Dès que ça va sortir, ça va être une tuerie. Bon allez, vas-y, à tout de suite. Parce que là, j'arrive au carrefour, donc j'arrive. Dans 5 minutes, j'y suis. Donc voilà, je suis pressé. Et en plus, il est 8h33. Je suis en retard, s'il y a une suite de ouf, ça va pas le faire. Donc je dis à plus tard les potos. Vas-y, à toutes. Putain, j'ai trop le seum. Je vais au carrefour, comme je m'y attendais, il n'y avait personne. Personne qui attendait pour la PlayStation 5. Parce que moi j'habite dans une petite ville, toi. Dans cette petite ville. Allez, je suis 30 000 habitants, tu vois. Il n'y a pas grand monde. Peut-être 40 000 habitants. Donc voilà quoi. J'arrive là, y a pas de fil, il n'y a personne pour la Play 5, je suis là, d'accord. Je me sens un peu con, tu vois. Je me lève et tout à 8h pour y aller, première heure. Je me lève 8h, première heure, putain sa mère, Loïc, c'est de ta faute. Je voulais y aller à midi. Non mais je rigole, c'est pas de ta faute, t'as raison. Et là ils me disent quoi? Ils me disent, aucune nouvelle. On n'est pas au courant. On sait juste que hier il y a une annonce, elle sort le 19 novembre. Et on ne sait pas plus. Je fais, vous pouvez pas fouiller dans vos fichiers? Non, mais non, on sait rien, monsieur. Donc, service après-vente de mes couilles, ça n'a rien à faire, quoi. Ça n'a rien à faire pour moi. Je fais, ok, ça va. Et si je l'achète sur Internet ou quoi? Ah, on ne sait pas si c'est disponible et tout. Donc, ça me casse les couilles. Donc là, je rentre chez moi. Objectif, chercher après une PlayStation 5 dans un carrefour pour que je puisse faire marcher la garantie de mon carrefour juste à côté. Putain, ses cheveux, ils me cassent les couilles. Il y a tout qui me casse les couilles. Je veux ma Play 5, là, sa mère. Putain, j'avais économisé le cash et tout, 400 balles. Putain, casse les couilles. Bon, je vous tiens au courant, bien entendu. Je vais chercher après ça. Je vous tiens au courant. Je croise les doigts pour le trouver, sa mère. Parce que rupture de stock, quand ce sera en rupture de stock, ça veut dire quoi? Le carrefour là, il n'en aura pas eu une seule? T'es sérieux là? T'es sérieux mon gars? Il y avait pas... Et franchement pour la PlayStation 4, ils n'ont pas eu ce bordel. Hein. PlayStation 4 direct, dès qu'on pouvait préco, on pouvait préco. Là on peut pas, enfin je sais pas, c'est trop chelou. Enfin bref. De toute façon je vais retéléphoner vers 9h, 10h, tu vois, demander à un responsable. Ça se tombe, le responsable il était pas là. C'est un vieux, il savait à peine le taper sur le clavier, donc pff. Je crois qu'il a pas capté. Et je leur dis, ouais, en Europe c'est déjà la folie, en France c'est déjà la folie pour les prix commandés, à Paris c'est la folie, et nous ici, on est en retard. Yeah, vous êtes en retard déjà de 24 heures. Est-ce que vous êtes sérieux là? Putain de sa mère. Vive Marchand Famène, vive la Belgique. Vas-y à tous. Bon les mecs, je suis dégoûté. Je regarde. Sur la Fnac Belgique, boum, stock déjà épuisé. Mais what the fuck, man? Comment c'est possible? Ils ont déjà tous précommandé hier ou quoi? Stock déjà épuisé, c'est pas possible. Putain, sa mère, j'aurais dû commander hier. Hein. Carrefour, j'essaie de leur sonner. Pas moyen, ils répondent pas, ces enfoirés. Il n'y a rien quand je tape sur le site, il n'y a pas de PlayStation 5 en vue. Dreamland, ils disent que bientôt réserve. On pourra bientôt réserver, mais aucune nouvelle. Donc je suis en dépression là mec, Faut que je trouve. Ok,
C'est discount. Stock épuisé. Voilà, ils ont vendu là le dernier produit. Micromania. Stock épuisé. Voilà. On n'a plus. Fnac. Stock épuisé. Et tous les autres. Carrefour, MediaMarkt, Maxitoys. Moi, il me reste que Dreamland et Maxitoys à tester. Mais tous les autres sites, tous les autres magasins, ils n'ont même pas de catalogue PlayStation 5. Tous ceux qui en ont, c'est tout stock épuisé. Je suis en PLS, les mecs. En PLS. Ok, c'est bon. J'ai réussi à la précommander chez Dreamland en Belgique, les potos. Donc il m'a dit qu'en fait, les précommandes, elles arrivaient seulement demain. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas aujourd'hui. Chez eux, ça arrive demain. Mais il me l'a déjà précommandé. J'ai rien dû payer et tout, c'est ça qui est bizarre. Mais apparemment, ce sera bon. Donc voilà, j'ai choisi la PlayStation 4 Digital Edition à 400 balles. Donc putain, je suis soulagé. Merci, merci Dreamlands. Vous êtes les meilleurs. Et voilà qui termine cette petite aventure de précommande PlayStation 5. Je suis soulagé. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura fait rire et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soir Cool Mec et ciao. Peace!